Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, nous allons continuer notre exploration du village Goron slash des alentours de la montagne de la mort qui s'annonce un petit peu fastidieuse dans le sens où les Gorons sont complètement azimuts. Ils ont été lavés le cerveau par du coup la princesse Zelda, hashtag loul, ce qui fonce. Puisqu'effectivement, la princesse Zelda n'est pas dans son état. N'est pas dans son état normal. Hop. C'est ça plutôt. Hop. L'aile. Alors. J'ai l'impression qu'il y a un dépliage à faire là. Bah après on va juste taper et puis c'est tout hein. Ouais, mais j'étais pas bien au milieu. J'ai paniqué. Ah, je peux pas le bouger parce que je suis dessus et c'est ça. Ouf. Ok, je ne peux pas faire ça. Toi, reviens déjà. Ah, de faire n'importe quoi. Ah, je sais ce que je vais faire. Ok, ok. Je sais ce qu'il faut faire. J'ai compris. Hop. Alors. Je vais bien faire ça. Pas comme ça alors. Wait a minute. C'est comme ça qu'il faut faire, mais je l'ai mal collé, je crois. Fameuse zut. Vous me zutez là. Monsieur, voilà, viens là. On va déplier le tapis, hein. Hop. Évidemment que tu avances. Ça va avancer là? Ouais, voilà. Monte, petit trou. Voilà. Ça fait un peu flipper.
cache pas. Ah! Bah, en vrai, on s'en fiche, hein. Qu'est-ce que tu nous fais, toi? Est-ce que ça avance sans qu'on meure? Ça avance sans qu'on meure, parfait. On revient du coup. Y'a quoi là? Ah! My bad. Absolument rien. Il y a absolument rien. Ok, bah je sais pas à quoi ça sert. Alors on va rester bien au milieu du coup. On se prenne pas la lave. Voilà. Hop. Ascend. Il est long celui-là, c'est bien. Il est long ce sanctuaire, c'est cool. L'autre c'était du grand n'importe quoi, et là... c'est pas mal. Alors attendez. Je peux prendre ça. Hop. Histoire de monter. Comme ça j'ouvre le coffre. Arc de golem, ok, pourquoi pas. Ensuite. Pourquoi alors j'ai besoin de toi exactement? Ah. Alors. Il me faut quoi exactement? Juste une boule comme ça? Au contraire toutes. Zut. J'ai compris le délire. Ah. Hop. Il faut l'accrocher. Allez, le chasse-neige. Bah non. Ok, il en fallait juste une certaine quantité, c'est ça. Ouais, il faut un certain poids. Ok, très bien. Pas mal. Pas mal. J'ai apprécié ce petit sanctuaire. Il était pas très complexe, mais il était assez original. Voilà. Assez satisfaisant de pousser des boules. Il faut dire, il est vrai. Ta-la-la. Caractéristique de la lave. Dans le volcan, l'air est chaud, oui. C'est le principe d'un volcan.
Hop. C'est de la lave ça à l'époque, hein. Là c'est de l'eau. Très bien. C'est quand même plus agréable. Bouge-toi un peu à la fin. Ça sert à rien, j'ai beau vouloir déplacer le wagonnet quand l'officier de sécurité est dans cet état. C'est à cause de ce truc là. Comment ça s'appelle déjà? Ah oui, la savouroche. Depuis que monsieur Youn a commencé à nous faire miner ce truc, les Gorons sont devenus comme des fous. De nous les Iliens, on n'en mange pas, alors on n'est pas affecté, mais c'est une vraie saleté si tu veux mon avis. Ah ben, je le connais, oui. Ah oui, il n'y a rien à signaler, évidemment. Je crois que je commence à comprendre ce qu'étaient les pierres rouges que l'on voyait, hein. Effectivement. Effectivement, c'est de la savouroche, tout ça. La fameuse. Alors, salut, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens bosser pour une et compagnie, toi aussi? Alors, c'est dans ce cas... Faut que t'ailles au siège de Youn et compagnie là-bas et ils te feront passer un entretien. Mais si tu veux mon avis, je serais toi, je ferais demi-tour. On avait la belle vie avant le cataclysme, mais depuis que Youn et qui, hein, tourne plus un rond, quoique. C'est plutôt Monsieur Youn qui tourne plus rond en fait. Je sais pas ce qu'il fabrique avec cette savouroche, mais c'est pas net. Nous allons y aller de ce pas. Alors je sais pas comment vous faites vous du coup pour utiliser les wagonnets. Honnêtement, ils avancent tout seuls. Ça veut pas bouger. J'entends dire qu'il suffisait de se mettre dans ce wagonnet pour aller au bout des rails. Mais comment on le fait bouger après? Je parie que l'ancienne cité de Gorondia est là-bas en plus. Gorondia. Ouah, t'es qui toi? Moi je fais rien du tout, hein, rien, je te dis nada. Gorondia, c'est le nom de l'endroit légendaire où nos ancêtres Gorons vivaient. Il paraît qu'une magnifique trésor s'y trouve caché depuis tout ce temps. Leur technologie était encore plus avancée que la nôtre, même s'ils utilisaient d'étranges véhicules. Je voulais me servir de ce wagonnet pour aller chercher ce trésor, mais ils s'obstinent à ne pas vouloir bouger. Mais tout ça c'est mon secret, je le répéterai à personne. Yes. Bah la prochaine fois, le dis pas quoi. Ah oui, il y a les camps de gobelins, de beaux gobelins, tout ce que tu veux, et tout va bien. Lui se dit, ça va. C'est Zelda qui me le dit après tout. Complètement corrompu jusqu'à la moelle le monsieur. Siège de Youn et compagnie. Ouais, waouh. Je préférais quand c'était de la lave, hein. Parce que là, c'est complètement, mais... corrompu jusqu'à la moelle, cette... C'est même pas un miasme, c'est... Enfin, c'est pas... C'est pas une abîme, ça. En même temps, l'abîme, elle est... Elle est là, hein. La vie, pour rentrer dans le donjon, c'est... Plongeon direct, hein. Plongeon direct dans le... Dans le volcan. Bon, monsieur Yunobo, là. Ah, tu me le vendais combien, toi? 700, bon ça va. Je me suis pas fait arnaquer. Oui, c'est à quel sujet? Tu cherches du travail? Je viens travailler. Ah, merveilleux, il s'avère que nous manquons justement de personnel. Excellente nouvelle. Les jeunes Gorons n'en ont que pour la savouroche et ne viennent même plus travailler. Je me demande comment M. Youn compte gérer cette situation. Je crois bien que M. Youn supervise les transactions de savouroche dans l'entrepôt de Youn et compagnie, devant le siège. Sans vouloir t'inquiéter, il n'y a qu'en surface que les températures sont devenues nettement plus supportables. On ne peut pas en dire autant dans les grottes. Avec toute la lave en fusion qui s'y trouve encore, tu vas vite rôtir. Si tu veux t'aventurer dans les grottes, il te faut absolument de l'équipement anti-feu. Je n'ai que des armures de pierre à vendre, mais elles sont spécialement conçues pour résister à la fournaise. Si tu as besoin d'argent, n'hésite pas à me solliciter, j'achète tout. Ok. Alors, on va aller s'équiper d'ailleurs. Hop. Nos petits genoux, ils vont cramer. Mais on va quand même résister. Allez. Tu es le gars de l'autre fois. Tu connais Monsieur Youn? Monsieur Youn est en train de négocier de la savouroche avec la dame Londe. Il n'y a personne qui a le droit de rentrer. Mais moi, ben, je l'aime pas cette dame. Si tout le monde est devenu bizarre au village, c'est à cause de la savouroche, c'est obligé. Ouais, c'est vrai. En plus, c'est encore elle qui a donné à Monsieur Youn ce masque bizarroïde qu'il porte tout le temps. Et c'est depuis qu'il porte ce drôle de masque qu'il a changé Monsieur Youn, alors qu'avant, il était super gentil. Tu es un copain de Monsieur Youn, hein? Ça me fait du mal au cœur de voir comment Youn et compagnie détruisent notre village. C'était pas ça l'idée normalement. Si on te laisse passer, tu veux bien convaincre Monsieur Youn d'arrêter d'extraire de la savouroche. Toka, t'as entendu? Ouais, peut-être que Monsieur Youn va redevenir gentil. Allez, entre, vas-y. C'est donc là qu'on va faire un combat du coup. Puisque c'est effectivement une des scènes que l'on avait vues. Il est avec Zelda, effectivement, mais celle que l'on voit. Ce n'est pas Zelda du coup, mais c'est celle que l'on voit depuis le début.
Ah, on va voir le roulé-boulé qui va donc nous extraire ça. Mais arrêtez, monsieur Yoon. On a le pouvoir de Yunobo. Il se met en boule, il roule, il fonce. Ça pète la Savouroche. On veut juste que vous retirez ce masque et que vous redeveniez le monsieur Yoon qu'on aime tant. Les gars. Arrêtez de dire des conneries. Ouais. Ok, le masque. Le masque qui lui corrompt bien la gueule. Bien joué, Zelda. Dame Zelda a raison, la Savouroche rend tout le monde heureux. Et Yunobo, Goron envoûté. Ah ouais, mais Zelda, elle a un vrai problème, hein. C'est clairement pas Zelda, du coup. Ok. Ah oui, d'accord, il a 0 PV, le gars. Ok. Le bouclier de Sonium Ultime va bientôt se briser. Ouais, il est quand même pas très intelligent le bonhomme. Ah, mais ça nous va. Tu sais que mon bouclier de Sonium va bientôt casser. Ah, il me le refait. Ah, j'ai brisé mon bouclier. Je n'ai plus de bouclier. Bouclier, 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 bouclier. Non, il fait rien là. Oh, je le pars. Ah, j'arrive pas à faire la parade parfaite. Je suis pas à l'aise. Il me faut une épée. Voilà, je suis à l'aise. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Il faut juste que j'esquive alors. Ah! Il faut juste esquiver alors. Non, on va pas esquiver. Bon. Reju. Il va me saouler, Yunobo. Non, ça ne fait rien. Mais il faut peut-être que je lui mette. Ok, juste comme ça. Ouais, mais c'est moi qui suis bête en fait. Hop. Ça y est, Yunobo, tu retrouves toi. Ton toit. Il fait juste qu'il se cogne. Qu'est-ce que j'ai fait? Yunobo! Toka, Vator, qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens de rien depuis que j'ai mis le masque que m'a donné Dame Zelda. Il faut que je lui parle. Oui, où est Dame Zelda? Ah, Dame Zelda. Ouais. On ne voit pas sa tête, mais à mon avis, c'est pas Zelda, hein. Évidemment. On sait que c'est pas Zelda, mais... Ça va pas du tout, là. Ça va pas du tout. Tout va bien? Personne n'est blessé? Qu'est-ce que c'est? J'ai cru entendre quelque chose. Enfin, on s'en inquiétera plus tard. Dame Zelda était à l'extérieur de la grotte. Hein? La dame avec les cheveux blonds, c'était Dame Zelda? Il faut que je lui parle de ce masque bizarre et de la Savouroche. Voulons nous sortir d'ici et partons à sa recherche. Oui. Je vais devoir percuter ces roches rouges qui bloquent l'entrée, c'est le seul moyen de passer. Le problème, c'est que je vois pas où je vais pendant ma charge. Link, j'ai besoin de tes yeux, tu veux bien me guider? Pouvoir de feu de Yunobo. Grâce à son pouvoir, Yunobo est capable de charger dans la direction de votre choix pour un résultat fracassant. Effectivement, on a besoin donc de Yunobo. Feu, paf! Pour casser et la... Ah, ça va être bien pour casser la roche de base, en fait. Paf. C'est bon, on peut sortir. Rattrapons vite Dame Zelda. Elle sera déjà plus là, à mon avis. Hein. Je sais pas comment en boule ils arrivent à monter, mais... Pas mal. Ils ont des petits bras musclés. Dame Zelda, mince, elle a disparu. Mais qu'est-ce que c'est que cette fumée rouge qui sort de la montagne de la mort? Ça ne me dit rien qui vaille. Vous avez oublié, monsieur Yoon? C'est vous qui nous avez dit que cette fumée était dangereuse et qu'il ne fallait pas s'en approcher. C'est comme ça depuis le cataclysme quand le château d'Hyrule s'est mis à flotter dans le ciel. Il y a eu un tremblement de terre tellement fort que vous avez eu peur que la montagne de la mort entre en éruption. Alors vous êtes allé vérifier.
Ouais, et vous êtes revenu de la montagne de la mort en portant ce masque. Ah, je me souviens. J'ai vu Dame Zelda dans le cratère de la montagne de la mort, elle m'a parlé et demandé de porter ce masque. Mais alors ça veut dire que la princesse Zelda vit dans la montagne de la mort? En tout cas, elle a pas l'air d'être ici. Peut-être que si on allait à la montagne de la mort... Toka, Vator, je m'en vais chercher Dame Zelda, je peux pas vous emmener avec moi. Mais je vous promets de lui demander comment faire pour que tout le monde reprenne ses esprits. Je vous en prie, faites-moi confiance et attendez notre retour au village. Link, accompagne-moi à la montagne de la mort, s'il te plaît, il faut qu'on trouve Dame Zelda. Au sommet, en wagonnet. Je peux pas te parler. D'accord. Alors, le sommet. T'es sûr qu'on y va en wagonnet? Oui, c'est de l'autre côté. Donc, on va d'abord faire ça. Paf. On va faire ça. Ouais, j'aurais pu faire un duplicateur, ouais. Le petit duplicata, effectivement. C'est parti. Oh là là. Se met devant, comme ça on peut briser les potentielles roches. Pas mal. Je veux rejoindre mon ami. Hop. Alors du coup, la montagne de la mort, c'est par là-bas. Hein. J'ai envie de faire un truc très cool. On va juste faire ça. On va juste faire ça. Et je pense que ça va pas marcher comme ça. Du coup, ça va. Il va refaire retour arrière là. Et oui. Ah non, 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 pas lui. Lui. On fait ça. Ça va se casser, non? Ouais, ça va se casser. Attendez, on va juste faire ça. Qu'il y ait la place. Mettre celui-ci. Allez, let's go. Roule, petit wagon. Ah bah j'ai perdu mon wagonnet. Bon. Ouais bah du coup c'est pas intéressant. Hein. C'est même très bien naze. C'est même très bien naze. Allez où? Et j'y vais. J'espère que tu vas pouvoir monter, toi. Hein. Ah non, t'aurais pu briser ça. Ça monte sa peine, hein. Ça monte sa peine. Faudrait pas qu'il y ait un wagonnet qui nous arrive à la gueule, hein. Parce que là, il y a un wagonnet qui arrive en face, on perd tout notre... tout notre élan. Ah ben voilà. Hop. Les wagonnets, les savoureux, je les aime et ils me rendent bien. Au fait, j'ai vu un bout de temps que j'ai pas vu motard. En principe, il devait être en train de bosser dans la mine, mais je l'ai pas vu. Même pour casser la croûte, il n'y a pas... Il n'y a pas motard. Il n'y a plus motard. C'est quoi? Même pour casser la croûte, il n'y avait pas de motard. Enfin, je ne vais pas me plaindre que quelqu'un qui mange la savouroche ait disparu. Yes. Évidemment. Pensez qu'il me gueule dessus. C'est... Ouais, voilà. Mais qu'est-ce que tu fais? Enlève tes pattes de ma savouroche. Je te rends pas compte. C'est tout un art de faire cuire ça correctement. Moi, je veux que ce soit craquant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Mieux, c'est que tu touches pas et c'est que tu me laisses faire ma cuisine comme je les aime. Ouais, ouais, ouais. Il y a quand même un gros problème. Montagne de la mort. Chantier ouest. Hein. Salut. Il n'y a que les vieux qui bossent, du coup. Oh, mais t'es pas parti à la montagne de la mort, toi? Oh, pardon, pardon. Je t'ai confondu avec quelqu'un d'autre. Un lien avec des cheveux blonds comme toi est parti vers la montagne de la mort tout à l'heure. Ah bon? Oh, mais maintenant que j'y pense, c'était une femme. Ah!
Ah. Zelda, que fais-tu? C'est par là qu'il faut qu'on aille, à l'intérieur, vous pensez? Tunnel ouest de la mort. Où il faut qu'on y rentre? Non, c'est par là, hein, on est d'accord. Il n'y aurait pas un wagonnet dans le coin? Si. Il n'y aurait pas un ventilo dans le coin? Ah. Juste, je veux pas faire la version en dessous. Voilà ça. Voilà. Hop. Allez-y. Chouchou. Ah! On est menti. On veut ma mort. On veut ma mort. Vraiment. Je suis étonné qu'une seule fonction suffise. C'est parti. Ouais, c'est possible que non, justement. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des roquettes. Ah. Salut toi. Ok. Hop. Cristal d'Elusis. Merci. Mon brise-roche. Enfin, mon casse-pierre plutôt. Y a rien d'autre ici. D'accord. Bah, c'est étrange quand même, non? Oh, il n'y a que dalle. Ok, ok. Personne ne m'aide. Bah, qu'est-ce que t'as à nous dire, toi? Ah, c'est bien ma chance. Moi qui pensais qu'on venait enfin de m'aider, c'est un lien qui se pointe. Saleté de rails se sont brisés, je me suis retrouvé coincé ici. Et le pire, c'est qu'aucun des autres ouvriers l'ont remarqué. Quelle poisse. Imagine, je sors pas d'ici. Imagine, je reste coincé ici pour toujours. Comment je vais refaire le plein de savouroche? Je suis en train d'avaler la dernière qui me restait. Toi, là, aide-moi à sortir ici avec ce wagonnet. Ben quoi, c'est tout simple. Une fois que je suis dans le wagonnet, tu propulses toutes tes forces. Ah, mais j'avais oublié que t'es un lien haut comme trois cailloux. Et puis, je peux quand même pas demander à Monsieur Yun, je suis bien embêté. Ok. J'ai compris. Salut. Mesdames les fusées. Nous allons avoir besoin de vous. Ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que j'ai besoin des ventilos, hein, cela dit. Si je le démarre avec trois fusées, je pense que ça doit aller, hein. À mon avis, ça décolle bien, hein. Hop. Hop. À mon avis, il vole le gars. Et j'en mettrais bien même une un peu en comme ça. Toi. Une fois que je suis dans le wagonnet, tu propulses de toutes tes forces. Ok, monte dans le wagonnet. Ok, ok, j'y vais. Allez. Bah voilà. Facile. Hop. Heureusement que ma paravoile, elle crame pas, hein. Et tout le monde s'en battait les steaks parce que ils avaient de la savouroche. On est dehors, on a réussi. Pas mal. Pas mal pour un maigrichon comme toi. T'as bien mérité un peu de savouroche en récompense.
En fait, non. D'ailleurs que j'en ai pas des masses, alors je vais pas commencer à donner le peu que j'ai. Prends plutôt ce truc que j'ai trouvé dans la grotte. Bah, ça me plaît plus. On trouve pas de savourage par ici, que les véhicules bizarres et pas du tout appétissants. Je vais dire à Monsieur Yun de m'envoyer ailleurs. L'aile. Le mineur abandonné. Bon, bah je suppose que l'on... On va aller par là-bas? Je sais pas. C'est au sommet de la montagne de la mort. Voilà. Tiens, donne-moi ça. Voilà. Hop. Allez, la savoureuse juste là. Que l'on va s'empresser de détruire. Ah. Et oui, sauf que j'ai l'impression que du coup, c'est effectivement plutôt là-bas qu'il faut aller. C'est un fail. J'aurais dû m'en douter, hein. Zou. Salut. Donc on va essayer de casser la gueule à lui. Piou. Ça fait pas beaucoup de dégâts, hein. On monte sur la montagne de la mort à dos de wagonnet. C'est parfait. Deux d'un coup, œil de feu, parfait. Aile de feu, parfait aussi. C'est parti. Ah oui, il va loin en fait. Il va à l'autre bout du monde, on est d'accord? Ah ouais, il va à l'autre bout du monde. Il va à l'autre bout du monde, c'est trop stylé. Ah non! Reviens là, reviens là, reviens là, reviens là, reviens là, reviens là. Ouais, alors attendez 2 secondes. Oh là là. Ouais, tout va bien, mais en fait, non. Parce que mon moyen de transport se barrait. C'est quand même assez important. Alors on va juste se prendre une arme qui tape. Parce que sinon on est un peu dans la mouise. Hop. Toi tu dégages également. C'est bon. On les a eus. Bon, cela dit. Il y avait déjà ça. Ça donne de la savouroche. Mais à quoi ça sert de... Qu'on ait nous de la savouroche. On n'a pas besoin de savouroche. En fait. Pourquoi le fait d'avoir de la savouroche nous serait utile? Aïe. Je brûle. Hop. Au revoir toi. On monte, hein. Ah zut. Vous. Oh! Attendez, je crois pas compter toi. Zut, 2 minutes. Voilà. Je crois pas que j'étais en photo. Voilà, Ordrak. Très très stylé.
Il y en a toujours que 3. Non, il y en a peut-être un supplémentaire dans les cieux. Je suis pas certain de ça. Tu es derrière moi du coup. C'est parti. Aïe. Tu m'as fait mal, méchant. Ah, là ça vous rush. J'aime bien, c'est que quand on est comme ça, on récupère le loot alors qu'il n'y a aucune raison. Ah ouais. Ouais, c'est plus que corrompu là. Effectivement. Alors, maintenant on pourra faire ça. Il y a des miasmes tout dans l'air, comme c'était le cas quand on était dans les souterrains du château. Là. Effectivement. Ça doit être l'endroit le plus corrompu du coup de sous le château, je suppose. C'était bon, ça c'est un peu aberrant ce que je dis. C'est enfin, on le voit dès le début, mais je pensais pas à ce point quoi. Question de direction. Aïe, j'ai donné un coup dans le bureau. Alors, on est dans la lave. Bon ben vroom. Hein. Vous voyez, doucement, prudemment, dit-il en accélérant, puissance maximale. On sait jamais, parce que là tu prends des risques de folie, Link, parce que on sait, à tout moment, le niveau de la lave n'est pas le même. Et ta bagnole, elle coule et toi avec. Hein. On est bien d'accord. Aïe, c'est un échange de bons procédés. Il y a un truc là-bas, non? Ah, il y a une orbe, ouais, il y a une orbe. Attendez. Ce sera plus rapide qu'un demi-tour. Hop. Voilà. Là dedans, tu m'ouvres le coffre, parfait. Touloulou. Arc de l'OM surpuissant, sérieusement. On va via ça, et puis voilà. Hein. Allez, hop, vroom. Là, je suppose que du coup, ça va être le coup du. Du volant. Tant qu'à y être. Autant prendre le guidon. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors mieux vaut partir par où? Ouais. Il y a encore des véhicules là, qui me mettent les. Ça me permet d'avoir les guidons. Bon, on va y aller, hein. Let's go. C'est dans les sanctuaires, il faut le rappeler, notre niveau de batterie est infini. Donc autant vous dire qu'on ne va pas s'embêter. Ouais, l'aéroplaneur, il plane bien en vrai. C'est pas dégueu, hein. Et c'est un atterrissage contrôlé. Paf! Jusqu'à ce que... Il avait envie de finir en courant. Touloulou. Bien joué, Link. Ta-ta-la-la-la. Et une lueur bienfaisante de plus.
Tong. On va continuer, hein, la montagne de la mort, la grimpette. On est arrivé quasiment au sommet là, j'ai l'impression. Hein. Puisque déjà, une, le chemin de fer n'est plus. Et deux, on est au niveau des miasmes, niveau max. Hein. Hop. Ah oui, je pensais que je pouvais remonter, mais en fait... Non. Enfin, si, mais non, quoi. Et effectivement, il y a des miasmes un peu partout. Ça a peut-être été intelligent de ma part. Il doit refaire des plats. Ah, Link par ici. Oui, bah c'est là où nous allions, Yunobo. Oui, tout à fait, Yunobo. C'est exactement ce que nous faisions. C'est par ici. On avait remarqué, Yunobo. Dis-nous tout. On y est. C'est Ah, là que ça s'est passé. cinématique. J'étais venu inspecter la montagne de la mort, et puis je suis tombé sur Dame Zelda qui se tenait là. Elle m'a dit, tiens, voilà un masque pour toi, tu devrais l'essayer tout de suite. Et après, Eh ben, rip. c'est le trou noir. J'ai beau réfléchir, après ça, je me souviens de plus rien du tout. Tu t'es fait laver le cerveau. Oh là là! Ah. Qu'est-ce que donc? Ça va cracher des miasmes? Ah non, il y a Zelda. Enfin, Zelda. Elle est là! Dame Zelda! Dame Bon. Zelda! Il faut qu'on vous parle! N'y allez pas! C'est trop dangereux par là-bas! Vous feriez mieux de nous rejoindre! Ouais. Mais tout à fait au courant, hein. Tout à fait au courant. Ah! Elle a bouché l'entrée. Ok, elle a bouché l'entrée. Elle veut pas qu'on y rentre, évidemment. Ah non, d'accord, non, c'est un dragon corrompu de... What the hell? Angania. Créature du cratère. Ah, effectivement. Et c'est le deuxième, du coup, on commence par le boss, entre guillemets, le donjon. Ouah, quelque chose est sorti du cratère. Un monstre de roche rouge. Et il y en a trois. Non, c'est un monstre à trois têtes. Non, mais tu as vu sa taille? D'où est-ce qu'il sort, ce machin? On m'a jamais dit qu'une créature pareille vivait dans la montagne de la mort, moi. Et si on se débarrasse pas de ce monstre, Dame Zelda va... Mais si, je peux pas le percuter. Comment on va faire, Link? Il est gigantesque. Comment on va faire? Voilà comment on va faire. Nous avons un super aéronef. Il y a même plus. Il y en a deux. Enfin, trois même. Ça, par contre, c'est vachement stylé qu'ils se mettent en face. Hop. Il attaque. Fais attention. Effectivement, wall esquive. Voilà là. C'est moi où les batteries ne s'épuisent pas. Prochaine fois, esquive. Bah je fais ce que je peux hein, au niveau du contrôle. Prochaine fois, esquive. Y a pas de commande esquive. Hein. Hop. C'est très stylé. Par contre les batteries du coup, c'est des batteries supérieures, elles ne s'épuisent pas, c'est ça? Ça par contre c'est stylé. Ça par contre c'est stylé. Il n'y a plus de miasme du coup. C'est la roche de lave, ça. Où les miasmes vont ressortir. Bon, il y a les miasmes qui ressortent. On a réussi, mais c'était quoi ce truc? Je pensais que Dame Zelda avait disparu par ici. Tu crois qu'elle serait tombée dans ce trou? Oh, ce serait dramatique. Vite, on n'a pas de temps à perdre. Il faut retrouver Dame Zelda. Dame Zelda, vous en faites pas, j'arrive! Mais c'est pas la vraie. Ah bon, bah on va y aller aussi, hein. Let's go. Vous savez quoi? Ah, Yunobo, voilà, il a changé de d'artwork.
On n'a pas d'île là. Zut. J'aurais bien aimé y aller depuis. Depuis encore plus haut. Bon, on aura l'occasion d'y retourner. Nouveau donc. Abîme de la mort. Montagne de la mort. Oui, d'accord, ok. On est bien dans une abîme. Là, c'est carrément une abîme de la mort. Oula. Attendez. Je suppose que celle-ci, on ne pouvait pas l'atteindre autrement que par là. Il y a de la lave partout, là, oui, effectivement. Ok, ok. On va éviter d'atterrir là-bas. Ah, j'avais pas vu le dénivelé. Vous voyez. Alors, attendez. On va y mettre... petite graine lumos. Si vous le voulez bien. Ça me ferait plaisir. Je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de miasme là d'ailleurs. On est effectivement à un endroit... Je serais étonné qu'on puisse y accéder autrement que par cette entrée là. Donc je suppose que ça doit être bouché. Complètement. Ok, une eau est ici. On va juste activer ça. Racine Diomutis. Il y a un sanctuaire juste au-dessus, effectivement. Ouais. On n'est pas du tout sur... Je pense qu'il y a de la lave tout autour. La racine purificatrice élimine les alentours. Hop. Si on regarde la carte... Si on regarde la carte, on devrait arriver à... toute une zone là qui correspondrait au donjon mais qui ne pourrait pas être accessible autrement, ce qui paraît très cohérent. C'est par ici. Je suppose qu'il y a une mine abandonnée ici du coup et que ça doit être le donjon. Qui aurait cru que ça ressemblerait à ça sous la montagne de la mort? Il y a des roches rouges un peu partout. Dame Zelda serait ici au milieu de toute cette save roche. Oh. Rejoins-moi. Oui. Viens. 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 Non, c'est pas le même douleur que Daruk pour le coup. Enfin, j'ai pas l'impression. Encore cette voix, j'ai pas rêvé, Link. Tu l'as entendu toi aussi. Elle nous demande de venir à elle. Voyons, je crois que ça venait dans cette direction. Et effectivement, le gigatemple que l'on avait vu également. Et qu'on supposait être un donjon. Tu crois que c'est lié à Dame Zelda, et c'est effectivement le cas. Bon, en tout cas, allons-y. Il nous avait révélé le donjon, finalement, chez les Gerudo, mais en toute petite partie. Il nous avait révélé l'intérieur du donjon et le boss du donjon des Piaf. Et également l'intérieur du donjon des... d'ici, des Gorons. Ça représente quoi, ça, un Goron? C'est quoi cette statue-là? En tout cas, c'est un donjon dans les profondeurs. Effectivement. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un goron? Effectivement un goron. Ou une sorte de goron. Non, pas du tout. Ça doit être un ancien... Ouais, ouais, un goron chelou. Allez, viens là, toi. Casse-nous ça. Un peu de somnium, aïe. Ok, merci sinon. Ouais, alors concrètement, à quoi ça sert de les casser ces trucs? Ça libère quoi? Je sais pas ça. In fact... Non. C'est un peu particulier. Ok, son temps de recharge est assez court. Ouais. Ça donne de la savouroche.
Est-ce que Yunobo il va pouvoir la manger lui? Ça lui donnera des attributs supplémentaires. Récupérer quelques esprits. Hop. Encore des esprits par là-bas, il y a des méchants. Paf. C'est un véhicule déjà tout fait, c'est ça? Attendez, mais il y a une... Il y a un distributeur là. Qu'est-ce qu'il va nous distribuer? Pas par là. Elles sont où? Je les bisous. J'ai plus? Ah si, là. Hop. On va voir ce que ça nous donne, ça. Hop, ça nous donne quoi? Des roues, des gouvernails, des batteries de rechange. C'est pas mal. On a un truc qu'on n'a pas, batterie de rechange. Un truc qu'on n'a pas découvert. Alors du coup, qu'est-ce que c'est? Gouvernail, marmite de voyage. Un petit peu moins intéressant que ce qu'on aurait pu penser. Et les batteries? Ouais, il y a de quoi faire des véhicules, quoi. Ce qui est pas mal, cela dit. Vous pensez que je peux monter, là? Une roue ici. Il y a des batteries. Il n'y aurait pas un phare par hasard? Des ventilos. De la flotte. Il y a une batterie. C'est pas mal. On peut mettre ça également. Pour se créer de la route devant. Je sais pas si ça marche comme ça. Ouais. Moyennement convaincu de l'utilité du bousin. Ouf. Non, un truc qui serait cool, ce serait ça. Hop. Pourquoi tu... D'ailleurs, c'est étrange, pourquoi tu t'es... Il se pilote plus là. Ah, les esprits là-bas, c'est dommage. Dommage de les louper. C'est un korogu ça? Non, je pense pas qu'il y ait des korogu ici. Hop. Récupérer les esprits. Est-ce que c'est cool les esprits? Hop. Et c'est bien par là-bas qu'il faut que j'aille, hein, on est d'accord. Hop. Cela dit, là il y a des... C'est quoi ça? Aïe. Aïe, non mais faut pas oublier que je... Pas oublier ça. Non. Si je me fais toucher dans les profondeurs, je ne peux pas me récupérer des PV. Ah, peut-être que là si. C'est pas, ça me paraît bizarre.
Dégage-toi, tu m'énerves. La bombe, ça va péter. Ça va nous péter à la gueule. Hop. Très bien. Il y a un véhicule bouclier de sonium robuste. Ok. On a un glisseur. Est-ce que je peux me régénérer là du coup? Normalement non. Hein. Ah bah là je peux. Étrange non? Du coup c'est pas considéré comme... Soit c'est parce que j'ai pas pris de dégâts de miasme. Soit c'est parce que... On est dans le donjon et que du coup, ça considère qu'on est dans une zone safe, entre guillemets. Ah, j'ai également perdu mon gouvernail. Très bien. Gouvernons. Je veux bien un petit esprit là. Rien ne va plus. Hop. On va continuer d'explorer tranquillement. Y a pas des graines là. Il y a une graine juste là. Il y a une au fond là-bas également. J'ai presque envie d'aller l'activer. En même temps, c'est à l'opposé de là où on est censé aller. Hein. Ça me paraît bien loin. Ouais, ça me paraît bien loin. En même temps, avoir la carte, c'est pas mal. Hein. Bah, il y en a une au-dessus. Ok, il y en a une au-dessus. Vaut mieux passer par là, vous pensez? Non, pas par là, il n'y a rien là. C'est pas ça que je disais. Là, il y a des ennemis. Là, il y a des ennemis, mais on peut peut-être se les faire. C'est parti. Il y a des ennemis... vraiment imbattables. J'ai combien de flèches, là? 20. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Ah ouais, ils sont nombreux. Non, 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 mais je n'existe pas. Je ne fais vraiment que passer, je vous jure. Heureusement pour nous que la lave n'est pas très profonde. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, on peut naviguer dedans, mais... Hop. Ça veut pas, sérieux. Franchement. Je crois qu'on va devoir se séparer de notre véhicule. Hein. On va y aller à pattes. Hein. On va y aller à pattes. Hop. On prend juste une petite. Une beau. Ah merci. Il y a un coffre là. Après cela dit, il y a peut-être des coffres du coup. Dans ceux qu'on avait vus. Flèches en bois ou au contraire des boss. Peut-être. Bon, des flèches c'est bien. Le fait qu'on soit perdu moins. Ok. Il y a un camp de monstres juste à côté.
Viens, Yunobo. Ça me dit rien qu'il vaille. Ok, ils sont pris par leur... par leurs occupations. Ok, les gros comme ça, ils ont un coffre. Arc en golem. Enfin, arc de golem, pardon. On va virer cela, on n'a pas besoin. Surtout que ça brûle. C'est parti. Je peux vraiment pas... Maintenant, je peux pas en activer une. J'aimerais bien en mettre une de graines Lumos. Hop. Que j'accrocherai par exemple. Ça n'a pas l'air possible. Comment je pourrais faire ? Ah. Je pourrais peut-être... Attendez. Si je drop le bouclier... Et que je lui en envoie une dessus. On va bien essayer. Bien essayer. Ça marche pas comme ça. Dommage. Est-ce que je peux amalgamer si je sors un caillou par exemple? Ça aurait été bien d'avoir sur notre bouclier la torche quoi. C'est dommage. Paf. Ah bon, on arrive effectivement. Là où on nous a dit qu'on arriverait. Hein. On voyait courir là. On avait l'armure complète. Ce n'est pas le cas. Il y a une graine là. J'ai l'impression qu'il y avait une graine au-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a effectivement une graine au-dessus. Mais juste là, c'est quoi, c'est un esprit? C'est un giga esprit, c'est quoi? C'est un grand esprit. On trouve cet esprit luisant un peu partout dans les profondeurs, légèrement plus grand qu'un esprit standard. Une force mystérieuse semble être à l'origine de ces oscillations. C'est donc un grand esprit. D'accord, j'ai dit qu'il y avait une graine où ? Juste au-dessus. Ouais, mais comment on y va au-dessus ? On n'y va pas au-dessus, hein. On est d'accord, on n'y va pas. Par là, on y va par contre. Par là, on y va. La reine de quelque chose, ça. Mais il y a vraiment beaucoup de graines là. Ça fait un peu peur. Il y a beaucoup d'esprit. Ah oui, d'accord, oui, effectivement. On va essayer de se cacher. Hein. C'est un bocau bleu. Mais ils ont tous une armure. Il y a des esprits par là-bas. Un coffre là qui part de l'autre côté. Je vais prendre le coffre. Si je pouvais avoir des flèches, ça m'arrangerait. Encore un arc. C'est bien les arcs, hein, mais j'ai plus de flèches. Encore un moment. Ça va vite être relou. Une boue, un peu de discrétion, s'il vous plaît. Une épée de voyageur. Ouais, bon, les épées de voyageur, c'est bien mignon, mais. Ils sont certes pas corrodés, mais.
sais pas si j'ai bien fait de jeter ça comme s'il y avait rien. J'aimerais mieux de faire un peu gaffe où je mets les pieds quand même. À tout moment, il y a des racines et missiles. Ça veut dire qu'il y a autant de sanctuaires au-dessus en fait. C'est ça que ça veut dire. Il y a beaucoup de graines dans la région, il doit y avoir beaucoup de sanctuaires au-dessus. Ah, on voit mieux la map. Effectivement. De toute façon, il y a des sanctuaires du coup un peu partout. S'il y a un sanctuaire au-dessus de chaque racine, ça veut dire que il y a des sanctuaires à peu près partout parce que il faut les racines pour éclairer tout. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des racines, il y en a une forcément vers là, il y en a une autre vers là, une autre vers ici, pour que ça s'agrandisse. Après, celle-ci, elle éclaire juste ça. Celle-ci, elle éclaire tout ça, vous voyez? Donc, si, parce qu'il y a celle-là. Plus tu connectes des racines, plus ça éclaire autour, j'ai l'impression. Mais... vous voyez, celle-là, elle éclaire beaucoup moins, par exemple. Mais il y en a une autre juste là, cela dit. C'est par là-bas qu'on doit aller. Cela dit... nous allons nous arrêter là pour cet épisode. On se retrouve je ne sais pas trop quand pour la suite, mais ce sera probablement soit demain, soit plus tard dans l'après-midi. Mais je suppose... oh, il y a de la flotte là. Bon. Mais je suppose demain. Pour l'heure, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Et à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.